Lorsque Grégor Samsa s'éveilla un matin de rêve agité, il se retrouva dans son lit, changé en un énorme cancrelat. Il était couché sur son dos, dur comme une carapace. Et lorsqu'il levait un peu la tête, il découvrait un ventre brun, pompé, partagé par des indurations en forme d'arc, sur laquelle la couverture avait de la peine à tenir et semblait à tout moment près de glisser. Ses nombreuses pattes, pitoyablement minces quand on les comparait à l'ensemble de sa taille, papillotaient maladroitement devant ses yeux. Que m'est-il arrivé ? Grégor, il est 7h15, est-ce que tu ne dois pas prendre le train ? Oui, merci, maman, je me lève. Grégor, que se passe-t-il ? Grégor, tu ne te sens pas bien ? Tu as besoin de quelque chose ? Je suis bientôt prêt. Grégor, ouvre, je t'en supplie. Écoutez-moi, mon père. Tu n'es pas mon fils. En coléoptère. Drôle d'artifice. Je suis éveillé, ainsi transformé. Ta vie m'insupporte. Je te dis de prendre la porte. Les pieds au plafond d'arpentent le monde. Mais dans ma maison, on me trouve immonde. Écoutez ma mère. Taisez-vous. Allez à mon père. Suis-je sa complice? Toujours sur le dos. Ce n'est pas commode. Mais puisqu'il le faut, je m'en accommode. Les pieds au plafond n'arpentent le monde. Mais dans ma maison, on me trouve immonde. Toi, ma très terre. Charmante perspective, il nous a dit pour danser.